trotteur. Oui. Et à quel moment saurez-vous qu'il est trotteur? Quand il sera trotteur. Malheureusement, évidemment. Quand ils sont venus me chercher, j'étais en train de labourer. Pourquoi ne m'ont-ils pas laissé? Tout seul mes bœufs vont s'ennuyer. Moi qui avais si peur de l'eau, ils m'ont mis sur un grand bateau, m'ont débarqué dans un pays où je ne peux dormir la nuit. Dites-moi, dites-moi si les étoiles de mon pays sont toujours aussi jolies. Tout le jour, ils me font marcher, me font visiter la contrée. Ici, le ciel est toujours bleu, et ça me rend bien malheureux. Moi qui n'avais que des sabots en bois de chêne ou de bouleau, ils m'ont donné de gros souliers qui me font bien du mal aux pieds. Dites-moi, dites-moi si les nuages de mon pays sont toujours aussi jolis. Ils m'ont donné un grand fusil pour faire la chasse à l'ennemi. Mais je ne connais pas ces gens, ne leur en veux aucunement. Moi qui soignais dans mon pays les oisillons tombés du nid, jamais, jamais je ne pourrais tuer ceux qui ne m'ont rien fait. Quelquefois, chef, je profite du passage de la révolution militaire pour envoyer un bonjour à mes parents ainsi qu'à toute la famille, sans oublier ma fiancée que j'aime tendrement. A bientôt, de tout cœur, Daniel. Pour moi, la santé est très bonne, le moral va aussi. J'espère aller bientôt en permission. Ils n'ont pas voulu m'écouter, dans leur prison ils m'ont jeté. Pourquoi ne me laissent-ils pas rentrer tranquillement chez moi? Le temps des foins est arrivé, qui va les faire cette année? Qui va couper l'orge et le blé? Quand moi je suis emprisonné, dites-moi, dites-moi quand reverrai-je mon pays. Dites-moi, dites-moi, car je m'en suis. Étant fixé à demain. Tout va bien, espérons que cela continue. Bon plaisir, à bientôt, et que j'ai hâte de revoir.